Bonjour à tous, ici MacLintor, je commence à piquer Serikai et on se suit sur notre petite partie de U4 en multi, donc avec Serikai. Salut. Et les Girac. Salut. Donc en fait, il y en a beaucoup qui nous ont dit « Ouais, putain, vous êtes un peu des bourrins ». Non, on n'est pas des bourrins en fait, on peut rouler sur tout. D'ailleurs, vous remarquerez que vous avez vu les gars les images de ma série, ce que j'ai pris? Oui. Bon, voilà. J'ai pas fait attention, j'ai vu une sorte d'image. J'ai pris des barbes à papa. Parce que c'est développé en vrai. Ah, c'est ça, c'est une série de merde. Je regarderai surtout pas cette vidéo. Moi j'ai fait un beau petit truc quand même avec trois boucliers. Ouais, j'ai bien aimé toi ton image. Okay. Moi je sais pas, je me plus que j'ai. T'as mis le drapeau au plein ottoman, c'est sobre, mais oui, c'est classe. Oui, comme en gros dégueulasse, comme d'hab. Voilà. Ah, comme d'hab, toi les logos. Ça, tu mets le gros pop-dép, ça, le gros drapeau dégueulasse. Hop. Ouais, bon. Non, parce que le truc en fait concrètement que y a. C'est... Ah, je vais me faire défoncer le cul encore une fois, j'en ai marre. Y a Naxos qui va me voler tout, mais... À cause de vous, on a déclaré la guerre à l'Empire Byzantin. Bon ? Bah oui, enfin ouais. L'Empire Byzantin. Byzance. Et du coup, voilà, je vais perdre le sud à cause de vous, ma bande de bousins. On va peut-être le récupérer. Vous avez intérêt. Vous êtes... Est-ce que vous êtes en guerre avec moi ? J'exige un tribut. Tiens, si vous ennuyez, vous pouvez m'envoyer des troupes pour m'aider. J'en ai marre, je me fais caser le cul. J'achève les groupes de rebelles. Et une fois que c'est fait, je termine la guerre, rapidos. Et je fonce t'aider, d'accord? Ouais. T'as la parole. Putain. Je vais t'aider. Oh là là, parce que là j'en ai. Ouais, j'ai 40 000 hommes chez moi. Ah oui, je suis à 4 de War Exhaustion à cause de vous. Hein. Je tiens à préciser. Hein. Oh, je préfère même pas regarder à combien je suis. Non plus. Bah, je peux regarder. T'es à 3. C'est tout ? La Pologne, elle est à 5. Ah, moi, je me. T'es à 3, c'est tout ? Ah merde, c'est la France qui était à 3. Est-ce que t'as besoin d'aide ? Je pète la gueule à ces rebelles, normalement, ça devrait être bon. Si ce con de Lituania se bouge, ouais. Et puis... Je peux m'occuper de mes affaires maintenant ? Oui, vas-y, occupe-toi de tes affaires, oui. Vas-y. Putain, et je me tatouille même à dire lui abandonner le Lyonnais à l'autre connard. Fais pas ça quand même, essaye de tenir. T'as plus 5% de score de guerre. C'est ouais. La guerre pour quoi ? C'est pour le Lyonnais ? Pour le Lyonnais, ouais. À la limite. Il a 42 au siège. Putain, fais chier. Attends, mais dans la France qui se fait déclarer la guerre par la Bourgogne, non mais on est dans quel monde, ouais, mais j'avais plus du tout de troupes. Mais franchement, vous êtes des bourrins. Moi, j'avais voté hein, pour commencer la série. J'ai pas besoin de commencer la série. Mais si, moi j'aime bien quand c'est parfait. Moi, je vais laisser m'attaquer dans les collines. Oh là là, je vais me faire défoncer les enfants, ça a piqué. Je vais marcher comme un cowboy quoi. Ça va faire grand monde. Vous vous rendez compte que je suis passé 7ème puissance mondiale à cause de vous? Bah, c'est bien, moi je suis 15ème. Ouais, mais voilà. On regarde le Ledger. Combien moi 26ème. Voilà. Qui est le premier? Je préfère même pas imaginer. On voit où ça? Voilà. Oh là là, j'ai perdu le siège du Lyonnais. Ming, Mamelouk, 2ème. Non mais vous. Timouri, 3ème. Castille, 4ème. Ça peut se régler ça. Ça se réglera ça. Raymond, 5ème. Deux petites secondes, je vais voir. Parce que si je peux lui offrir, lui donner ce qu'il veut. Suggest offer, qu'est-ce qu'il veut? Je cède Lyonnais et Vermandois. C'est quoi le Vermandois? Lyonnais et Vermandois, je paye des thunes parce que je pense que. Après, de toute façon, j'ai récupéré hein, ces territoires. C'est où, Vermandois? Vermandois, c'est quoi? C'est du blé, niveau développement quand même 14. Et Lyonnais, niveau développement 21, wow. Et c'est du blé aussi. Ouais, mais je vais le faire parce que sinon, non, je vais accepter parce que. Vaut mieux. Ouais, merde. Est-ce qu'il accepterait qu'il refaire Lyonnais? Bon, on va voir ce qu'il me veut. Hop, j'offre ça. Voilà, on abandonne. Comme ça, j'arrête cette guerre. La Galéa, c'est plus forte que le truc de commerce? Ouais, oui, c'est sûr. Oui. Ça dépend. Là, je suis en territoire où les galères elles sont en bonus. Là. C'est normal, c'est une mer intérieure. Ouais, du coup. Ah, toute la Méditerranée est une mer intérieure. Ouais, ouais. Ouais, c'est bien. Y compris la mer Noire, la mer Baltique, ça marche aussi. C'est bien. C'est bon, j'ai presque occupé. J'ai occupé une autre province chez les teutons. Je vais bientôt mettre un terme à cette guerre de merde. Moins 7, allez. On va occuper une autre province ou deux là, allez. Bon, voyons. La Savoie qui m'offre une alliance. Je me tatouille parce que la Savoie ça peut être bien, mais non, je vais refuser parce que j'ai pas envie de me retrouver. Bon, là je vais me recalmer, je vais me refaire mon armée.
Ah, j'ai oublié de faire un corps sur cette merde. Oh, putain. Enfin, Alias, Suisse et Liège. Voyons, escadre rouge. Ça c'est. Putain, encore un prêt, bah c'est pas grave hein. Ah non, j'avais lancé. Fin de la guerre, ouf, alléluia. Ouais bah enfin, c'est pas trop tôt hein. Tu me dois du fric. Putain, Non, tu dois siphonner la Lituanie et me donner la totalité de ces fric que t'as récupéré. Fais-moi Mais moi je le fais souvent siphonner la Lituanie. Rassure-moi, tu t'es gavé de thunes là sur cette offre de paix. J'en ai pris un petit peu, j'ai pris ce que je pouvais, ouais. Enfin, j'ai pillé bien sûr. Enfin, pas je suis con, pas thunes, ouais, tu t'es gavé de territoire. Oui, j'ai quand même pris Chelmno, bah, il a Danzig. Tuchola et Danzig, histoire de couper la route au. Non, mais rien que Danzig déjà, c'est un développement. Ah oui, c'est. Enfin, les Teutons et les Pomeriens qui me demandent un accès militaire pour bouffer les territoires de l'ordre teutonique. Ils vont se faire foutre. C'est une oxy gratuite, hein, Danzig. Mais Danzig, c'est l'oxy gratuite, oui. Ouais, donc rien que ça déjà, ça vaut tout l'or du monde. Bordeaux. Putain. C'est la merde les enfants là. La France elle ressemble à rien. La France elle s'est fait découper. Si, t'as les seuls à qui je pense que je vais aller déclarer la guerre, ça va être la Bretagne. Et puis l'an prochain, je commence à lancer l'intégration de la Mazovie. Je pense que je vais déclarer la guerre tout de suite à la. Donc, oh, ouais, je suis en position positive, ça y est, alléluia. Je risque pas de perdre l'UP, c'est bon. C'est bon, c'est du bien ça. 1456. Si t'avais perdu l'UP, j'aurais rigolé. Hein. J'aurais pas du l'UP, j'aurais chialé. Ah ouais, mais grave. Ah non, ça nous aurait foutu mal quoi, Jack là, je suis mal. Bon, moi je suis. Bon, la main de remonte. Regardez qui baise la Poméranie. Leur Teutonique, oh putain. Mais c'est bien parce que comme ils font pas partie de l'Empire, tu pourras te gaver Poméranie. C'est l'avantage. Comment ça, j'ai renouvelé un loan? Ah oui, merde, si, parce que j'ai pas cette. Venise, elle fait toujours partie de l'Empire, non? Non. Ils sont alliés à qui? Ils ont jamais fait partie. Ah, ils sont alliés à de la merde. Au pire. Ils sont alliés à l'hospitalier, le pape. Au pire, si besoin, je les attaque. Et puis, quoi, si besoin, je rappelle que t'as juste Rhodes. Qui est hospitalier. Rhodes est juste allié avec Venise. Donc à la limite, tu déclares la guerre à Rhodes et comme ça, tu attaques Venise indirectement. Ouais, mais faut d'abord que je fasse des. Bah, les claims, je les garderai. Ouais, je vais les garder de toute façon. Les puis claims, Rhodes, je rappelle que t'as un accès terrestre en plus si j'ai de tes accès militaires. Oui, non, y'a pas de problème. De toute façon, tant que j'ai Constantinople déjà de base. Oui, ça, c'est une puissance. Après, le sud, on peut éventuellement récupérer après. De toute façon, c'est pas des provinces qui vont. Après, il faudra que tu bouffes dans les Balkans, tu sais, les connards serbes, les Albanais, puis la Bosnie. Non, de toute façon, au pire, c'est des provinces qui valent 8 de développement, 9 de développement, je veux dire. Au pire, dans le pire des cas, on s'en tape un peu, quoi. Je vais pas passer la tech parce que j'aurais plus assez de points après pour faire la paix. Hop. D'ici peu, l'an prochain, ben, c'est au revoir l'indépendance de la Mazovie, et hop. Ce sera encore l'Autriche le prochain. Oui, mais bon, ça c'est pas étonnant, ça va changer. C'est pour le début, hein. Je me suis fait défoncer. Non, mais ça, on sait, hein. Mais c'est infâme quoi, je suis gavé d'emprunt. C'est ça de. Moi je suis content parce que j'ai. Mais t'as pas l'habitude avec tes logiciels que t'achètes là. T'as mis le timer. Alors, en fait. Le timer où il est mis, ouais. 6 emprunts. Bonjour, on est devant le jeu, 6 emprunts. Non, donc je passe à vitesse à 3. Fais pitié. Ah ouais. En plus c'est pas des emprunts de PD, hein, c'est des emprunts à 180. Non, j'allais te faire un embargo. Ok, plus que ça. Ça n'est gift. Nemours, c'est où? Je vais payer des cuages à la Mazovie. Ah, merci, Carac. Copain. Encore plus. Attendez, j'ai un event. Nemours produit, c'est du blé, donc on va pas prendre ça. France, soi-disant, le Big Blue Bob, tu parles. La Pologne, soi-disant, je me tape avec le plus de développement en début de partie. Ah, nanana, tu parles. J'ai trop de leaders, on s'en fout. Ça c'est quoi? C'est quoi ce truc? Oh merde, l'ordre teutonique de ta mère se fait défoncer en Poméranie. Ceci était ma mère. Bon, prochain objectif, moi je déclare la guerre à la Bretagne. Oui. 1456. Ils sont allés que avec Gelr. Donc je les défonce. Je les vassalise. Et voilà. Ensuite, je les annexe. Mais c'est une très très bonne idée, oui.
Ah oui, la Moldavie, on s'en fout. Hein. Regardez le développement. La Moldavie, de toute façon, elle va perdre son statut de. Elle perdra rapidement son statut de marche. À la limite, ce que je lui ferais, c'est que je lui refilerais les provinces à la comte Valachie. Comme ça, ils auront des provinces roumaines. Et hop, ce sera au revoir la Roumanie. Hop, venez chez moi. Non, c'est moi la Valachie. Ah, tu la veux? Ok. C'est à moi. C'est à moi. Même la Hongrie est à moi. Je vais te niquer la Transylvanie par contre. Désolé. Quoi ça? Qu'est-ce que je vais regarder? La Transylvanie, c'est où? C'est les provinces de l'est de la. De la Hongrie. Ah, à l'est, oui, non, mais prends-les. Mais elles sont pas mal, je crois, mais. Parle. Non, mais toi, de dev, c'est pas du tout. 5 de dev, 5 de dev et 4 de dev. L'évêque de Gdansk a été créé cardinal de la Curie. Ouais. Donc pour les nazes, Gdansk, en allemand, c'est Danzig. Oui, oui, c'est Danzig. Bon, allez, je suis allé avec la bohème. Je précise ça parce qu'il y a certains qui ne savent pas. Hein. 5 sur 4, comment ça? Garanting Scotland. Non, non, l'Écosse, t'es gentil, mais on va. Je te garantis plus. Ça a bouffé par les Anglais. Ouais, c'est surtout que c'est un coup, parce que ça me tombe sur la gueule, quoi. Donc. Alors attendez. Parce que ça va popper. Faut que j'aille juste à Téquier, voilà. Vas-y, vas-y, ouais. Faut un allié. De plus à l'ouest. La Savoie. Pourquoi j'ai un mariage royal avec la Savoie, moi? Je me tâte. Je prends. Savoie ou bien? Je prends qui comme allié? La Saxe? Ça peut avoir le coup, mais voilà, Saxe en allié, histoire de faire chier un petit peu les. Non, la Bohème, prends la Bohème. La Bohème, je vais la bouffer au final. Non, mais c'est mieux, au début, on a dit qu'on tapait l'Autriche. Pour taper l'Autriche. Voilà, tu prends la Bohème. Moi, je suis allé la Bohème. La Bohème, c'est. Comment expliquer? Tu sais, c'est un allié mouchoir. Oui, c'est voilà. Vrai. Tu prends, tu jettes. Omar, je vais prendre la Bohème, bien sûr que je vous en file un. Vatican infiltration, du prestige, je prends. La Moldavie qui est déloyale, putain. Juste parce que je l'aurais forcé à devenir des crétos. Oui, mais c'est dans la tête, c'est le début. Après, ils vont se dire, bon, en oui, fait... Oui, ils vont changer d'avis, t'inquiète pas. C'est quoi cette merde avec toutes ces provinces qui sont orthodoxes? La vache, ça fait chier, ça. Ah ben ça, c'est le problème de... C'est le problème de, la... de là-bas, ouais, hein. Et la... le pire, c'est que la Moldavie, je peux pas m'empêcher d'avoir pitié de ces mecs et culture roumaine, quand même. Bon, 6000. Ces emprunts, ils me plombent. Après, je vais vous dire, moi, la stratégie pour l'instant, au début, ça va être. Oh, c'est magnifique! La Pomerlie bouffée par l'antitonique. C'est très laid. Il est pas en guerre contre tout le Saint-Empire. Non, non, hein. Il est en guerre contre Brandebourg. C'est pareil. Chez le bleu nationalisé, youhou. Et le pire, c'est que c'est indéfendable ce truc-là. Mais c'est qui a une manie aussi comme ça de faire des frontières dégueulasses? Enfin, tu sais, genre des trucs indéfendables. Les Timurides? Non, oui, les Timurides, oui, entre autres. Et à chaque fois, tu sais, tu te retrouves, l'État, il est morcelé en. Tu sais, dans les quatre coins du monde, tu te dis, non mais. Comment tu veux défendre ça? Les Portugais, putain. Avec leur cognée à la con partout. Oh là ouais, là. Portugal, 5 près. Il me faut. Oh là là, ça va être renouvelé, j'ai encore me taper l'inflation. Non mais j'en reviens pas, c'est quoi ce début de partie de merde? Putain, faut attendre le 24 juin 56 pour nationalité de Danzig. Et tu chaud là? Parce que c'est pas polonais, c'est prussien. L'autre te dit qu'il n'y a pas de pote. J'ai une musique dans la tête, c'est affreux. Ok, je connais. Hein? Je connais le coup des musiques, musique chiant dans la tête qui reste. Oui. Donc, un nouveau pop, ok. Administrative technologie, ouais, on va prendre ça. Ah, ça va popper en plus. En fait, j'ai trop de. De War is Ocean. Mes diplomates. Bon, j'ai coloré tous les provinces teutoniques en rouge histoire de leur dire que je veux les bouffer, tu vois. Ah oui, merde, c'est Roll Sauvage. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on peut pas forcer le pop des rebelles. Ah oui, merde.
Ça, je Pour une trouve ça. décision, genre, oui, ben, on soutient les rebelles, donc on force à Non, mais beaucoup. genre, non, mais genre, les pousser à Ouais, bout, voilà. ou genre, un truc comme Pour les ça, forcer à quoi. se Les rebeller, ouais, provoquer. contre notre Les autorité. provoquer, par exemple. Là. Et t'as un certain pourcentage de chances qu'ils se révoltent en fonction du pourcentage déjà. Ce serait classe, ça. Bah oui, mais ce serait beaucoup plus logique. Moi, j'ai Ah, prévenu c'est un peu tout Naxos le qui s'est monde. gavé. Mais Naxos, c'est un vassal de Venise, Mais encore, Naxos, hein, t'inquiète donc. pas, à mon avis. Moi, là, je suis en train de colorier la carte en disant, voilà, ça, je veux, c'est à moi. On pense ça. La France, en fait, actuelle, je dis, c'est à moi, je veux. Tout ce qui est dedans. Alors pause, je pense que je vais récupérer Byzance comme je l'ai actuellement là, on est Oui, s'il bien. te plaît. C'est deux territoires, hein. Constantinople et les petites îles là. Oui, monsieur. Hey, tu nous as même pas appelé dans ta guerre. T'avais pas besoin d'être genre le mec, c'est un gros bill. Bah non, j'ai pas besoin de vous, Comme je Nakso. fais peine avec mes 9000 hommes. Ah, ça vous. Vous voulez m'aider pour ma guerre contre la Bretagne? Tu peux juste nous, comment dire, nous laisser nous renforcer un petit peu? Bah là, dès que j'ai fini, là, j'ai repayé un prêt encore. Mais j'adore comment certains ont colorié leurs cartes. Ah oui, c'est vrai qu'on peut regarder comment chacun a colorié. Le faire en ottoman vassal, c'est une bonne idée. Est-ce qu'il reste un truc de Byzance, je peux le transformer en vassal? Qu'est-ce que ça peut intéresser? Bah je sais pas, après je pourrais le refaire bouffer à Axos et tout là. Ouais, ça peut valoir le coup. Axos, non? Je sais pas. On change un petit peu bourrin dans mes ambitions quand même. Ça veut dire quoi give up claims en fait? J'ai jamais su ce Abandonner que voulait les dire claims, ça. abandonner les revendications. C'est bien ça, Ça sert non? juste à abandonner les revendications. Tu perds du prestige, ça améliore les relations avec le pays qui a déjà les claims. Ou avec les pays qui veulent ce territoire-là. Comme ça te dit, j'abandonne Oui, ce. mais si c'est moi-même. Je sais pas si tu peux abandonner le claim de tes provinces. Bah non, mais ce que là c'est Byzance, je lui dis abandonner ses claims sur. Ah Enfin. oui, bah c'est que il a des claims par exemple, normalement sur Erdin, je pense. Voilà, Ouais. si tu dis abandonne claim sur Erdin, c'est carrément une revendication. Hein. C'est un corps, bah, il va dire c'est ok, c'est plus à moi, Erdin, j'accepte, c'est plus du tout à moi. Donc il n'aura plus le. Ce sera plus une province nationale. Bon, je préfère l'humilier. Hein. Non, sérieusement, le mec, il l'humilie juste. Ah oui, j'ai gagné un truc, le patriarche de je sais pas quoi là. Le Constantinople. Soit je suis ami avec tout le monde, soit je suis détesté par tout le monde, au choix. Putain, le Détesté. choix est vite fait, le choix est vite fait. J'aime bien être détesté, moi, ça me pose pas de problème. Ou bien. J'ai fini à trousse avec l'autre. Quand est-ce que je peux y mettre sur la gueule à l'autre? Bretagne en 1456. T'as Dans combien de un an. troupes, Serekai? Viens m'aider. 7600. J'ai des révoltes. Où ça? Au nord. Aïe. Viens vite, s'il te plaît. Je t'attends à Fais-moi un Sinistre. accès militaire. Ah, t'as pas Non, d'accès? pas chez toi. Et qu'est-ce que tu fous? J'ai pas de diplomate di disponible. Donne-moi l'accès vite. Je réplique. Give an accès, c'est où déjà? Tout en bas. Offer a military Voilà. access. Est-ce que j'ai une de la piété? Oui. Accès militaire N'empêche accepté. que j'ai 80, j'ai plus 80 de projection de puissance. Hein. Je vais plus 32 seulement. Viens vite! Oui, mais j'arrive, j'arrive. En plus, ils vont dans les forêts et tout, c'est dégueulasse. Sophia, oui, moi, Sophia, on se regroupe où? À Sinistre. Oh, sinistre, eh, sinistre. Ah ouais, 26 000 hommes. Ah En ouais! tout cas, les deux, il y a bien un truc que vous avez du mal à faire, quand Mais même. non, mais comment veux-tu que je gère si je suis dans 4 guerres? Attends, entre l'autre qui Pourquoi s'est je défoncé collecte? le truc, entre l'autre qui déclare la guerre en Hongrie et l'autre qui je sais pas quoi. Je Non, mais c'est suis. bon. Pourquoi je collecte ta gêne? Tiens, Venise, bim, t'es mon nouveau rival. Bim, prends ça dans ton. Bon, tu vas où? Tu vas à Philippe ou tu t'attends? Tu dis quoi toi, tu veux qu'on fonce dessus, tu me dis, hein. Je donne l'ordre quand on y va ensemble. Go! Ok. J'ai un général, toi t'en as pas, Non. donc la rigueur. Ah oui, c'est 23 de développement quand même, Constantinople. Ah oui, ça fait mal à Coris. Non mais t'as pas besoin, normalement t'as pas une histoire, la mission qui te fait Une mission qui en plus te permet de la nationaliser, je crois. Ouais. Vassalise, non. Naval Race, Conquer Southern Grèce. C'est pas conquérir la ville éternelle, un truc comme ça? Ah, mec, Constantinople est capitale. Ouais. Voilà.
Et hop, il te l'accorde, hop, il te fait tout normalement, je crois. C'est bien voilà. Suivi. Voilà. Et en plus, tu gagnes du développement dessus. Voilà. Voilà. 34. Ah oui, 30, je suis passé 34. C'est la fin de l'épisode. On a perdu ? Ouais. On est sérieux ? Sérieux. Vous êtes des plots. Et ils veulent quoi, en fait ? Et ils veulent me convertir alors, à l'orthodoxe. Ah, en fait. Ça pourrait être marrant, hein. Les supposés totalement orthodoxes. T'as quand même pas mal de problèmes sur orthodoxe, hein, tout à l'ouest. Hein. Bah, l'avantage, tu peux te marier avec nous. Ouais. Et après, pour la partie extension vers le centre, ça peut être pas mal. Et surtout, ouais, ça peut être marrant. Il y a souvent des ottomans orthodoxes. Non, je veux dire, ça change, hein. Je veux dire, c'est. En plus, vu que tu t'es fait péter le cul, hein, limite, t'es plus là, ça après, tu peux les laisser faire, ça t'évite de niquer ta manpower. Ouais, entre autres. Honnêtement, j'y réfléchis, mais. Enfin... En plus, je crois bien que lorsqu'ils occupent une province, ils la convertissent automatiquement, non ? Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, ils sont allés dans les provinces où. Ils sont déjà orthodoxes, ouais. Ils sont déjà orthodoxes. Je te rappelle qu'il y a quand même Kesseri et puis Yania qui sont quand même sunnites. Hein. Oui, c'est moi qui les ai convertis, en fait. Ouais, ils arrivent d'être reconvertis. Ah, c'est pas à la rigueur, je m'en fous si je me convertis au final, c'est du temps ouais, gagné. Hein. Je sais pas, j'y réfléchis. Bon. Ouais. Donc sur ce, bon, on vous dit bye bye les gens, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, vous abonner, aller voir les points de vue sur nos chaînes respectives. Et voilà, voilou, bisous les loulous. À la plus. Allez, ciao. Et les louloutes. Et les loutes. Ah oui.